Bonjour tout le monde, on se retrouve avec le haul action spécial Noël. Donc tout d'abord, je vais commencer par les plaques à embosser que vous avez déjà dû voir passer. Donc, je vais vous montrer les modèles comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà, il y a trois modèles 10-15. Donc il y a celui avec les flocons. Il y a celui avec le Merry Christmas, Have Yourself Merry Little Christmas. Et il y a celui avec la tête de cerf. Ensuite, il y avait 5 modèles de 15-15. Donc, on les voit tous ici. Donc, il y a celui-là. Celui-là. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Ils sont au prix de 0,79. D'ailleurs, en parlant de prix, dites-moi si vous préféreriez dans les commentaires en bas, si vous voulez que je vous mette le prix là, ou du coup, je vous les donne comme ça. Vous me dites dans les commentaires. Ensuite, j'ai trouvé du ruban. Donc, il y en avait trois différents. Il m'en reste de l'année dernière, mais ce n'est pas vraiment les mêmes. Ils ont sorti des nouvelles couleurs. Donc, je les ai pris maintenant, parce qu'après, il n'y en aura plus, en fait. Donc, il y avait celui-ci. Par contre, là, je n'ai plus le prix. Donc, je ne peux pas vous dire. Et il y avait celui-ci. Voilà. J'ai également trouvé les blocs 15-15 Disney. Alors, pas tous, pour le coup. Et en plus, il n'y a pas que les Disney. Il y a aussi les émoticônes. Donc, bon, je les ai pris parce que finalement, je les ai trouvés sympas à l'intérieur. Alors, je ne les ai pas ouverts. Peut-être qu'il faudrait que je les ouvre pour vous montrer. Il y a 4 modèles différents. Deux fois le même modèle. Deux fois le même modèle à chaque fois. Ah, trois fois. Pardon, le même modèle. Après, il y a celui-là. Ah, mais finalement, s'il y a trois fois le même modèle, c'est parfait. Ça brille, hein. Voilà, pour le premier. On va passer au deuxième. Donc là, on a celui-là. Celui-là. On a les petits bonhommes. Petit smiley déguisé en Père Noël. Celui-là, il est très joli. Ah, celui-là, il est magnifique. Pour une carte, il est franchement top. Et les petits smileys en boule de Noël. Donc ça, c'est le deuxième. Donc le troisième. Donc la couverture est comme ceci. Alors dans celui-là, on a. Donc là pour là, il n'y a plus de feuilles. Ceux-là, ils sont normaux. Et on les a que deux fois. Et du coup, il y a plus de modèles. C'est sympa pour de la carterie. Et puis en plus, ils sont. Je sais pas si vous voyez à la caméra, pas trop peut-être. Si on voit là, ils sont embossés. Ils sont en relief, donc ils sont très sympas. Celui-là, il est cool. Petit bonhomme. Petit cœur. Les petits, vous voyez, on voit, c'est embossé. Voilà, si je vous mets comme ça, avec la lumière, du coup, on voit le relief. Le petit nœud avec le petit sapin. Madame, celui-là est trop mignon. Donc voilà, donc là on a 24 modèles. Dans l'autre, on avait 10, dans celui-là, on a 18 modèles. Dans celui-là, on en a 24. Non, je vous dis n'importe quoi, pardon. Non, il y a 18 feuilles et il y a 6 modèles, donc 3 fois le même modèle. Dans celui-là, il y a 24 feuilles et on a 12 modèles différents, donc 2 feuilles de chaque à chaque fois. Alors, le dernier. Donc, celui-ci. Le smiley. Les étoiles avec les petites bougies. Donc, pareil, toujours, toujours en relief. On sent, d'ailleurs. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais... Suivant comment je vous le mets, peut-être. Ah oui, voilà. Voilà, là, on voit. Vous voyez le relief?
fais pas la mise au point, mon téléphone, mais il y a du mal en ce moment. Celui-là, j'adore. Voilà. Le petit elfe. Du coup, moi, je pense que je vais en servir certains pour faire ma déco à la maison, en fait. La boule. Avec les enfants, pour faire la déco, oui, avec les enfants, ça peut être sympa. Et celui-là. Donc là, c'est les 4 blocs émoticônes. Sur les Disney, il m'en manque 3 avec foil et 3 sans foil. Donc on a Mini. Alors on a Mini Mickey. Il manque Winnie en foil. Et les princesses, parce que là j'ai la Reine des Neiges. Donc on va commencer par la Reine des Neiges en foil toujours. On a les étoiles. Alors en foil, et donc du coup le foil, là pour le coup, il n'est pas embossé, hein, il est normal. Olaf. Celui-là, c'est le thème Reine des Neiges. En fait, il y a beaucoup... comment elle s'appelle déjà? Elsa. Voilà. Là, on a... Alors, c'est Mini. Donc, on a les flocons. Les étoiles. Je suis désolée, c'est plus long quand je vous présente des blocs en fait que le reste. Là, on a mis... Il est trop beau celui-là. À chaque fois, on retrouve la tête du personnage en gros comme ça. J'ai remarqué dans les blocs. Voilà pour Mini. Ensuite, on va faire Mickey. Allez, on est lancé. Donc ça, c'est le bloc Mickey. Sensiblement les mêmes choses, hein. Du moins ça se rapproche. Un coup avec Mini, un coup avec Mickey, mais du coup c'est les mêmes motifs. Hein. Un bloc garçon, un bloc fille, mais sinon c'est exactement la même chose. Et là derrière. Voilà, pour les blocs embossés. Donc quand j'aurai trouvé ceux qui me manquent, je vous montrerai. Parce que là... Là, c'est parti vite. Je pense qu'ils ont eu un carton, en fait. Et c'est parti super vite. Donc là, on passe sur Winnie. Donc moi, je m'attendais à voir Bourriquet. Mais en fait, non. Il y a Porcinet, mais j'ai pas vu Bourriquet. Donc c'est dommage. Donc là, c'est le embossé. Je passe assez vite, hein, parce que... Celle intéressée. Vous allez, ils vont arriver. Hein, là, de toute façon, dans les actions, ils sont en train de finir de... Ils installent Noël. Donc, voilà. Ils sont en avance. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, on va dire que ça fait tôt. Mais après, pour certaines dont je fais partie, c'est le bon moment. Parce que nous, on travaille nos marchés de Noël. Donc, du coup, c'est bien qu'on ait les produits maintenant. C'est très bien. Ça nous permet... de travailler avec des nouveautés et pas forcément travailler avec nos produits de l'année dernière. Celui-là est très sympa. Donc ça, c'était Winnie. Donc comme vous le voyez, il me manque Mickey Mini, hein, et il me manque Winnie en foil, comme je vous ai dit. Et là, je vous montre. Et les princesses aussi en foil. Donc là, je vous montre la Reine des Neiges en embossé. Des neiges en embossé. Ils ont carrément repris des images, des photos du film en fait. Hop, Olaf. J'aime bien Olaf, moi. Je reste une grande enfant quelque part. Donc moi, les dessins animés Disney, j'adore ça.
Voilà, dans un sapin de Noël, c'est marrant. Et le dernier. Voilà. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé, donc c'est les princesses en embossé. Avec Cendrillon. Elle est très belle, Cendrillon. Du coup, on peut faire des super rires. Là, pour le coup, ah, les petites fleurs, elles sont jolies. Un petit cadeau, là. Hein. Alors, suivant comment je vous mets, vous allez voir ou pas. Le fait que ce soit embossé, si on voit peut-être un peu. Blanche-Neige. Blanche-Neige, il est magnifique. Il est vraiment très beau, celui-là. Ça, ça doit être... Alors, je connais pas cette princesse-là. Réponse, je crois que c'est ça. Ou la Belle au bois dormant, peut-être. C'est peut-être... Ah, c'est la Belle au bois dormant. Il y a les roses en dessous. Vous voyez, hein, je suis pas... J'aime bien Disney. Ah ouais, là, c'est top. Mais je les connais pas tous. Alors, c'est elle, réponse, je pense. Je pense, je sais pas. Voilà, ça doit être... Ah, c'est un dessin animé que j'ai pas vu. Donc voilà pour les blocs 15-15 Disney de chez Action. Ensuite, je vous montre les blocs hiver. Donc Winter Steel pour celui-là. Donc dans les tons comme l'année dernière. Bleu et blanc. Alors là, il est pailleté. Là, on doit voir. Voilà. Il est pailleté. Je ne vais pas vous montrer toutes les feuilles. Je vous montre que la couverture. Donc, on va retrouver tous ces modèles-là. Parce que je pense que vous l'avez déjà vu passer. En fait, sur... voilà, il est pailleté. Ils sont pailletés à certains endroits. Si vous voulez les voir plus en détail, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Je vous ferai des vidéos. Mais des photos. Mais en fait, je veux gagner un petit peu de temps. Donc, voilà. Donc, il y a celui-là. Ensuite, il y a le... Monochrome style. Bon, celui-là, je le trouve. Ceux-là, ils sont magnifiques, par contre. Enfin, pas celui-là, hein, mais. Allez, là, je vous montre. Il me semble qu'on retrouve des modèles de l'année dernière. Il faudrait que je vérifie, mais il y a des pages qui se ressemblent avec l'année dernière, effectivement. Alors, c'est marrant, parce que j'en ai où il n'y a rien, où il n'y a pas de. Donc, il n'y a pas de paillettes sur tous. De paillettes ou de feuilles, il n'y en a pas partout. Sur celui-là, il y en a. Je ne sais pas si on voit où on va. Par contre, ils sont super fragiles. Là, il y en a aussi. Mais par contre, ils se déchirent. Donc voilà, c'est ce qui me gênait à vous les présenter. C'est qu'ils se déchirent. Donc, c'est pas top. Voilà. On a celui-là. Ouais, ben voilà, ma couverture, elle est partie. Par contre, on les a qu'une fois. Les modèles. Donc un conseil, s'il y a un bloc qui vous plaît et que vous avez besoin, prenez-en deux parce que on n'a qu'une fois le modèle. Donc du coup, moi je crois que celui-là, je vais aller le rechercher en fait. Parce que je vais travailler des calendriers de l'avant. Donc voilà, je pense qu'il y a des feuilles, ouais. Il va falloir que... Alors Jennifer, si tu passes par là, tu as bien fait de les prendre en double. Même si toi, tu ne scrapes pas forcément Noël. Effectivement, moi je regrette certains modèles, j'aurais dû les prendre en double. Moi je les retrouverai, je me dis que. Voilà, au pire je les retrouverai. Si je les retrouve pas, ben tant pis. Celle-là elle est très jolie. Ah, celui-là j'adore. Ah, j'adore celui-là. Vous voyez? Ah, il est trop beau. Enfin, je les découvre avec vous hein, en même temps parce que je les avais pas feuilletés. Voilà, et celui-là. Avec les boules, et j'en ai oublié une toute jaune. Voilà. Donc celui-là, c'est le monochrome style. Après, il y a le vintage style. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans les couleurs habituelles, quoi. Verte, rouge, blanche. Alors moi, c'est moi mon truc. Donc du coup, je vais passer rapidement. Je vais faire comme ça. Je vais vous le passer rapidement.
celui-là ça va. Bon, j'en ai loupé une certaine. Vintage style, allez le voir. Franchement, moi je suis un peu... Enfin voilà, il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent dans celui-là. Je l'ai pris. Parce que pour travailler mes calendriers de l'avant, voilà. Mais c'est pas un modèle que je reprendrai en double, ça c'est sûr. Après, il y a le Warm style. Où là, pour le coup, dans celui-là, on va retrouver encore des impressions de faux bois. Du coup, ah, celui-là est plus joli déjà. Donc on retrouve tous les modèles ici, hein, sur les couvertures. C'est pour ça que je vais vous le passer, mais super rapidement en fait. Parce que... Donc il y a celui-là. Je sais pas comment je pourrais... Celui-là. Le papier est très épais par contre. Ah, je crois que je vais me passer deux. Voilà. C'est pas facile. On est plus dans les tons classiques marron, vintage un peu. Celui-là, il y a des petites paillettes. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Je vais vous les montrer à la caméra. Vous voyez, il y a des petites paillettes dans les tons. Dans les tons irisés un peu. Oups. Désolée. J'ai un peu de mal avec mes vidéos. Hein. Je suis désolée, j'ai été malade ce week-end. Donc, j'ai du mal. Je ne suis pas très en forme encore. Voilà. Celui-là est très joli. Pareil, il est pailleté, là, on voit bien. Voilà. Alors, ils sont au prix, je ne vous ai pas donné le prix, ils sont au prix de 1,99€. Celui-là s'appelle Basic Style. Ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment les couleurs voilà, traditionnelles de Noël, quoi. Tout ce que je déteste en fait. Donc bon, pour mon marché de Noël, il en faut un peu pour tous les goûts. Donc je l'ai pris, mais c'est pas des couleurs. Donc je le passe rapidement. Hop. Et je fais tout tomber. Et je vous dis, je suis vraiment pas douée aujourd'hui. Vous voyez peut-être comme ça. Hop, voilà. Donc ouais, bof. Bon, celui-là sans plus. Donc le Basic Style. Et enfin, le dernier. Alors là, j'ai pas compris ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont sorti un truc bleu, rouge et blanc qui s'appelle Modern Style. Comment vous dire que ouais. Ben, moi, j'accroche pas. Hein. Mais bon, voilà quoi. Donc Modern Style. Moi, j'accroche pas du tout. Hein. Juste sur une ou deux pages pour la carterie. Mais franchement, c'est non. Bon. J'aime pas du tout. Donc là, il y a du feuille dessus. Vous voyez. Bon, je vous donne mon avis. Hein. Après, voilà. Tous les goûts sont dans la nature. Allez-vous me dire. Moi, voilà, c'est plus ouais, ça, parce que ça va me servir de fond de page, et pas forcément pour Noël. Ou là, parce que du coup, ça fait des petites bandes qu'on peut découper. Mais non, ça, moi, j'adhère pas du tout. Alors, même en carterie, ça va être compliqué. Ça, oui. Voilà, pour une page ou un mini. Ça, éventuellement. Mais moi, j'ai du mal à scraper... j'ai du mal, je vous avoue, à scraper Noël avec les couleurs de Noël. D'ailleurs, je te fais un petit clin d'œil, Jenny. Parce que je sais que toi, c'est pareil. Donc, voilà. Voilà. J'aime pas du tout. Oh là là. Ouais, c'est particulier. Hein.
et la dernière. Voilà, et ben pour le haul Action Noël, c'est fini. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo où du coup, je vous ferai un mini haul Nose et Zeeman. Allez, bisous à tous.